Honnêtement, je suis tout sauf confiant. Parce que, bah, pour moi, on va juste faire support gap, quoi. On a Kakos au top, hein. Joueur LFL, hein. Joueur LFL. Sur sa Irelia, là. J'espère qu'il va nous régaler contre Aatrox. Bon, TP électro, je vais essayer de focus. Très bon go-in de notre aile. Elle aurait pu go de l'autre côté du wall. Genre, en vrai, si la Rally Smart elle vient là, la Samira essaye de le push là-bas et ils auraient peut-être pu faire un truc, mais bon, je pense que le jungle est dans le coin. C'est fine. Oh, Evek, c'est casse-couille. My presence causes them distress. Ah, ils ont de meilleurs combos que nous. Hein. En teamfight, ils ont juste après serre tout droit. Hein, avec le... Enfin, en gros, Amumu va go in. Il y a Aatrox qui va follow up et. Voilà quoi. Et voilà. Pourquoi elle essaye pas de proc électro? Parce que sur le papier, si go in, on a vraiment pas trop de quoi tenir quoi. Sauf si Samira arrive à appuyer sur Z pendant l'ulti Amumu en gros. Parce que du coup, ça tempo un peu l'ulti MF et tout. Est-ce qu'elle peut encaisser le R de Vex avec son Z là, Samira? Je pense que oui, c'est un skill shot, le R. C'est un projectile. Donc j'imagine que oui, mais j'ai quand même un doute. Perdu un CS pour rien, c'est dommage. Obligé de TP pour fixer la wave vu que ça slow push. Je vais quand même perdre un peu, mais on l'a solo kill et je prends le solo kill tous les jours. Ah. Sans remords du coup. Top, ça se passe bien. Elle a des bottes aussi. Ouais. Elle a pas de potion. Hein. Endoskeletal, quite peculiar.
Qu'il fasse gaffe au top. Ah, c'était sûr. Il est mort. Le passif plus les bots. Ah, ça se passait bien au top. Elle va venir au mid. Elle va peut-être essayer de voler Vrace. On l'aurait vu, je pense. C'est spell. Elle a plus de fear là. On peut la tuer. Elle va attendre son prochain Q. Ah, et les bots, elle est un peu trop rapide pour que je puisse vraiment la faire chier. J'aurais bien aimé avoir l'avantage des bots rang 1. C'était vraiment free matchup là. Ouais, j'arrive aussi. Elle a pas de flash, elle a pas de flash, elle a pas de flash. Ça touche. Encore, encore. Elle va des push, ok. Bon, il y a juste un mid gap extraordinaire, j'ai mes dessus mais je vais la solo kill là. Enfin je vais essayer. On va faire gaffe, il y a Talia qui est bot side. Hein. Il y a Talia qui est bot side, c'est mauvais. C'est évident que c'est de la merde en fait. J'ai du mal à... J'ai du mal à comprendre en fait. Ah, elle est morte. Avec son bac de merde. De toute façon c'était sûr. Il meurt un V1 au top contre Aatrox. Et un free kill pour Vex. Il peut tuer je pense. J'ai la plate, je vais courir. Meurs pas bro. Nice flash. My presence causes them distress. Elle a nos flashs la Talia. On est à 500 LP. J'ai l'impression de jouer avec des plates. C'est trop nul. Jouer la Samira. Ah très bien Space.
pourquoi jouer top, c'est la seule lane qui perd. Nice air, bro. Elle est pas là. Pourquoi elle est pas là? Je lui ping, genre. Je lui ping 15 fois. Elle a été bot. Ils ont tué MF, mais on s'en branle, genre. La Samira a 1v1 MF toute la game. C'est Samira, bon, juste viens mid direct. Hein. C'est pas méchant, mais si elle est mid, on fait un triple kill, quoi. C'est Juani, si elle avait le R, on fait triple kill aussi, mais bon, elle l'avait pas. C'est juste si elle est là, c'est ce mauvais free. Hein. Je lui ping. La Mumu allait forcément venir mid, il allait pas courir bot. C'est dommage. C'est dommage. Parce que là, si on triple, triple kill là, c'est free en termes de tempo. Et en soi, ce qui se passe au bot, ça peut se passer en plus, tu vois. Mais bon, c'est fine. Il y a 8-11, on est pas mal dans la game. Juste, on n'a pas de top lane, quoi. On n'a pas de top lane. Ils ont un Herald, ils vont le mettre mid. C'est chiant, quoi. Parce que bon, avec ce que je suis en train de faire au mid, certes, elle a sans cesse, mais... Enfin... Je lui pisse à la gueule, quoi. Ah ouais. Ah ouais. J'ai vu un mec back ici, mais elle a TP du coup. Elle a TP. Et du coup, ils ont tout de up et on perd ce fight. Let's go. Parce qu'ils ont tout utilisé au bot pour la... MF en 2-4. C'est ridicule en vrai. C'est ridicule. C'est quand même une free win, mais... On dirait que c'est une faute, hein. J'imagine que j'étais overextend. Ah, 100-0, hein, c'est Juani. Ouais, là, tu pas. On va au top. On va perdre. On gagnera pas cette game. Imo. Leur compo teamfight est beaucoup trop forte pour qu'on gagne. Et je pense pas que les mecs avec moi soient assez forts pour qu'on gagne cette game. On veut que de la macro en gros. I will OSM ? Non. C'est fou. Tu vas te faire OS. Big, je pense qu'elle avait Ward. Merci de m'avoir tué. Elle a combien? 4-2, un shutdown 400 gold. De toute façon, cette game, c'est le premier qui engage qui va gagner. Je vais même pas faire de banshee, hein, en vrai, honnêtement.
C'est une question de positionnement. Le truc, c'est qu'elle... Lui, je pense qu'il gagnera jamais sa lane. Oh, ne mette pas, hein, surtout. Ne mette pas. Le plus gros du problème vient du fait que je ne peux pas sideline. En fait, elle me one-shot. À ce stade, je pense. Moi aussi. Mais le problème, c'est qu'elle, elle a un fear. Faut qu'il tue, hein. Il a flash. S'il perd ce move, la game est vraiment dure. Vex a pas de TP normalement. Vex est là pour me one-shot quelque part. Je veux pas rester ici. Elle est dans un side bush ou quoi. On a gagné au top? Ouais. Enfin, on a gagné. On a tué Aatrox et Amumu, je crois. J'aurais mon R avant celui de Vex. Mais je sais pas si on va gagner le fight. On n'a pas la position. On va être obligé de facecheck Amumu Talia. Je vois pas trop comment on arrive à jouer le Drake, honnêtement. J'ai ça en vrai. Ouais. Comme flank. Elle est où Talia? Pas mauvais. Ils font pas le Drake sur moi. Faut juste que je meure pas. Thank you.
laisser Juani juste... cancel le mec. Je focus ce mec-là. Je meurs pas. Et elle prend pas 600 gold pour rien. Happens, I guess. Si la Sejuani était un bon joueur, ça... se saurait. Vu ce qu'il fait dans la game overall. De toute façon, lui gagnera jamais de la game. Il se fait laver le cul toute la partie, donc ça va pas changer maintenant. Elle, elle se suicide sans raison. Ils peuvent turn, hein, du coup. Bien joué, je sais pas ce qu'il fait l'autre. Elle a réussi à mourir quand même. Hein. On a une sacrée équipe, hein. Faut pas mentir. L'interaction de la Banshee avec le verre de Vex, c'est quoi? Si elle peut réactiver quand même pour venir ou pas? Je sais pas. Elle a flash. Ils ont pas de dégâts, je sais pas pourquoi ils vont là-bas. On a pas de follow-up. C'est complètement con. Nice stopwatch. Elle est morte quand même. Il a gagné en 1v1 ? Ouais. Attends. What ? Oui. Oui, tu sais que je suis là. Il n'y a aucune ward. Hein. Le Amumu est là-bas. Il a ward là, pink là, il n'y a pas une ward dans le bot side, puisqu'elle joue trinket rouge, elle trinket bleu, il n'y a pas une ward. Quel pink? Où je suis passé sur une pink? Pourquoi il faut être en 4v5? Faut sortir. Hein. Ouais, c'est doucement.
is much to learn about this world. J'ai trop peur de faire une erreur. Si je meurs, on perd la game. Faut mon level 16 là. Creatures mewling increases during dissection. Je suis ça. Atrox. On finit au bot après, c'est fin. J'aurais pu faire stopwatch elixir, mais j'en ai rien à foutre en vrai. J'aurais peut-être même dû fermer Jaïan, ouais. Mais je préfère avancer vers un item au cas où on ne finit pas, parce que bon, avec le niveau des mecs, on ne sait jamais. Don't fight. Play waves. Please. Pas besoin de fight en fait, on a gagné là. Le mec est midlife. Faut que j'enlève la banshee de l'autre là. Pourquoi? Ça sert à quoi en fait? De smurf en plate, juste. En fait, je ne comprends pas comment les games peuvent être aussi durs quand je joue comme ça, en fait, parce que je joue exactement la même manière là que sur le smurf. J'ai autant de mal à gagner une game en master DLP avec des chiens que là. Ils refusent de jouer à LoL. Enfin, je fais 12-4-12 sans forcer, je suis top damage de la game, je solo win, genre. Il y a zéro macro, rien, on peut rien construire ici. La Vex a une game, je sais même pas comment. C'est fatigant, on a fait combien? Plus 17. Après c'est le main, hein, on a gagné DLP, let's go, c'est cool, mais c'est affolant le level, vraiment.
Après, je suis full aigri, là. On a fait un set sur l'autre compte, donc... Bah, deux sets, hein. La recette.